Bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour Rosine Trolley. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bien. Certainement, je suis en voiture, mais la voiture est stationnée et je voulais passer juste en ligne pour dire quelque chose à quelqu'un. Je ne sais pas à qui cette parole sera destinée, mais j'ai prié pour la bonne réception de ce que le Seigneur va me mettre à cœur de dire. Sans plus tarder, on va remercier le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom. Ta parole dit que nous devons prier en tout lieu et en tout temps. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit de prier en tout lieu et en tout temps, en toutes circonstances. Tu es le seul Dieu capable de nous enseigner la vérité, de nous montrer la vérité et de nous conduire sur le chemin de la vérité. Éternel, à l'instant même, je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui prend cette petite prière en cours, que cela lui soit bénéfique, afin que Père, seule ta volonté soit faite en tout lieu et en tout temps. Agis dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es redoutable, tu es fort. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te glorifier? Je bénis ton nom et te demande de prendre le contrôle de ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais que nous disions merci à Dieu. Vous savez, lorsque le Seigneur met la parole dans la bouche de quelqu'un, pour l'individu, cela peut paraître comme si ce n'était rien. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être la réponse à quelque chose. Je me souviens du témoignage de mon père spirituel qui nous avait dit un jour qu'un homme avait été réveillé par Dieu à 2 h du matin, tard dans la nuit, oui, je crois. Si je ne me trompe pas. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, va dans la forêt et annonce l'Évangile. Il a dit à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Aller dans la forêt pour annoncer l'Évangile. Bien-aimé, il a trouvé ça vraiment pas très correct. Mais il a tout de même décidé d'aller dans la forêt pour annoncer l'Évangile tel que l'Esprit lui avait dit de faire. Il est allé dans la forêt et il a commencé à crier, repentez-vous, Jésus revient. Si vous mourrez dans le péché, vous irez en enfer. Alors, il a crié au beau milieu de la forêt, non loin de là où il habitait. Après, il dit, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Et il est rentré chez lui. C'est un pasteur. Lorsque le dimanche,
Il avait fini de prêcher. Amen. Il avait fini de prêcher. Il a demandé aux gens de venir rendre témoignage. C'est alors qu'un homme s'est aventuré, s'est avancé et a décidé de demander qu'on lui donne la parole. Après avoir pris la parole, il a dit qu'il était venu remercier Dieu de ce que ce jour-là, Dieu a envoyé quelqu'un dans cette forêt. Il en avait marre de la vie. Il en avait assez. Il avait assez de souffrir dans la vie et il a décidé de mettre fin à sa vie. C'est alors qu'il est allé dans cette forêt dans l'intention de se suicider. Et il voulait vraiment que le Seigneur lui montre un signe. Est-ce que ça valait la peine de se suicider? C'est alors que dans cette forêt, contre toute attente, un homme commence à annoncer l'évangile. Il a bien vu la personne qui annonçait l'évangile. C'est là qu'il a su que c'est Dieu qui a voulu qu'il reste en vie. Donc certainement ce message, c'est pour quelqu'un. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera. Nous irons à lui et nous habiterons chez lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus nous dit que si quelqu'un l'aime, il obéira à sa parole. Il dit toujours, comme je l'ai dit la fois passée en Jean, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si vous demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Aujourd'hui, s'il y a une chose que j'aimerais que l'on demande à Dieu, c'est le discernement. Vous savez, le discernement n'est pas juste qu'un mot, mais c'est l'essence de tout ce que Dieu peut nous dire. C'est le fond de tout ce que Dieu peut nous dire. C'est en fait la clé du succès de notre marche avec Dieu. Ma sœur, c'est un petit conseil que je te donne, mon frère. Tout chrétien qui a le discernement ne manque jamais sa destinée. Toute chrétienne qui a le discernement ne fait jamais de faux choix. Tout individu qui a le discernement ne se retrouve jamais au mauvais endroit. Toute personne qui peut discerner, peut distinguer le vrai du faux. Si je me trompe, dites-moi. Donc, comme je disais, toute personne qui peut discerner, peut distinguer le vrai du faux, le faux du vrai. Distinguer le faux du vrai. Discerner, c'est mettre à part. Vous voyez, c'est mettre à part, c'est-à-dire, c'est parvenir à voir au-delà du réel. Parvenir à voir même la face cachée de quelque chose. Parvenir à comprendre même ce qui n'est pas facile à comprendre. C'est-à-dire que, de manière intuitive, tu comprends même ce qu'on ne t'a pas expliqué. C'est-à-dire que ce qui paraît compliqué pour les gens, hein, quand toi tu regardes, tu vois au-delà, et quand toi tu entends, tu déchiffres les phases cachées. Bien-aimé, je peux vous le dire. La raison pour laquelle autant de femmes se sont mariées à des hommes qui ne sont pas leur mari. La raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. La raison pour laquelle beaucoup sont encore en train de poser la question à Dieu. Pourquoi ma vie ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne comprends pas mes rêves et autres? Tout le problème des chrétiens tourne autour du manque de discernement. Proverbe 15, 21 dit ceci. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Mais un homme intelligent va le droit chemin. Ma sœur,
S'il y a une chose que je peux te demander, mon frère, Maurice, dis à Dieu, donne-moi le discernement. Frère, le discernement peut nous aider dans bien des situations. Je vous ai déjà raconté mon histoire. Frères et sœurs, j'étais à quelques instants d'accomplir la promesse de Dieu lorsque Satan a décidé de m'étendre un piège. Le piège, c'était que lorsque j'allais partir demander de l'aide à quelqu'un, la personne allait me proposer une belle affaire. Et dans la belle affaire, j'allais dire, bon, c'est vrai que je pars au Canada dans 3 mois, mais voici une belle affaire qui vient d'arriver. Et là, en allant faire la belle affaire, qui supposément allait me permettre d'avoir de l'argent pour pouvoir venir au Canada, c'est là-bas qu'il y avait un piège satanique qui m'attendait. Donc le piège allait se renfermer sur moi. J'allais avoir un autre problème là-bas qui allait faire que je n'allais jamais partir au Canada. Beaucoup d'entre vous, combien de fois vous aviez quelque chose, quelqu'un a dit non, va faire ça, non, faut faire ci, non, faut faire ça, non, actuellement là, comme tu n'as pas d'argent, trouve un gars. Et oh, c'est dans ça là qu'il t'a enceinté. Toi, tu croyais que tu allais trouver un gars pour te dépanner en entendant. Ça veut dire que toi-même, quand tu fais les calculs, ma soeur, tu sais que c'est de toi que je parle. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me rapporter quelque chose. C'est de là qu'est venue ton erreur. Le Seigneur voulait que je te parle aujourd'hui. Parce que tu t'es toujours posé la question, mais Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Tu n'as pas eu le discernement. Tu crois que c'est tout ce qu'on te dit d'aller faire que tu fais. Tu crois que c'est tout ce que tes copines te disent que tu fais. Tu crois que c'est tout ce qu'on te dit que tu avales. Non! Il y a des conseils qui sont des pièges à gueule ouverte. Et c'est dans ça là. Tu croyais que tu allais te mettre avec ce gars-là pour te dépanner. Tu croyais que tu allais te donner. Tu disais même non, je sais ce que je fais. Je suis une fille intelligente. Je sais ce que je fais. Et dans je sais ce que je fais là, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Alors un gars qui devrait être un dépanneur est devenu le père d'un enfant. Tu croyais que tu allais le prendre pour te dépanner. Mais si tu avais discerné que ce conseil-là que ta copine t'a donné là, l'ennemi l'a mis sur ton chemin pour te piéger. Tu allais comprendre que les apparences sont trompeuses. Tu allais regarder au-delà du réel. Tu allais comprendre la face cachée du piège. Et tu allais dire non, 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 non. Quelque chose au fond de moi me dit que ça là, c'est pas faisable. Alors, je refuse de le faire et j'attends que le Seigneur me donne une réponse. Ton problème, c'est que tu as manqué de discernement. Tu as manqué de comprendre. Tu as manqué d'appréhender la réalité. S'il y a une chose, ma sœur, qui peut t'aider, c'est le discernement. C'est alors que ce monsieur, effectivement, hein, les circonstances se sont passées telles que l'Éternel avait décrit. Frères et sœurs, dans le songe, je m'étais vu sur le point d'avoir mon voyage. Mais je devrais aller faire une course. Mais en allant faire la course, c'est là que l'individu qui doit me recevoir, au lieu de m'aider, a refusé de m'aider, mais au contraire, il va me proposer quelque chose d'autre. Je suis allé, et c'est ça, j'ai demandé au monsieur, un grand monsieur, un boss qui a les moyens. Je lui ai dit, je cherche de l'aide. J'ai trouvé personne pour m'en offrir. J'ai été voir quelqu'un, mais il a dit qu'il ne veut pas m'aider financièrement. Et je suis venu me voir pour que tu me prêtes au moins 2 millions de francs CFA. Et comme je suis sûr de ce que je m'en vais faire et que ça va marcher, dès que j'ai le billet d'avion et que j'arrive au Canada, je te retourne tes 2 millions juste après avoir eu du boulot. Et le monsieur, après m'avoir écouté, il me dit non que, oui, les temps sont durs, mais j'ai un poste à te donner. Le poste que je dois te donner va te permettre d'avoir beaucoup d'argent. J'ai dit, mais je voyage dans 3 mois. Comment tu puisses me permettre de me proposer d'aller travailler? Il dit, non, c'est tout ce que j'ai à te proposer. Apprendre ou à laisser. Pendant qu'il était en train de parler, le Saint-Esprit me permettait de me souvenir du songe et de comprendre que, éloge, te souviens-tu que ton Dieu t'a déjà dit que au bord de ta percée, tu auras une proposition, ne l'accepte pas, ne l'accepte pas, aussi belle qu'elle soit. Oh Seigneur, aie pitié de tes enfants. Il y a des gens qui ont accepté des relations qu'il ne fallait pas accepter. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une femme qui a dit oui à quelque chose à laquelle elle ne devrait jamais dire oui.
Il y a quelqu'un qui a dit oui à une relation à laquelle tu ne devrais jamais dire oui. Il y a quelqu'un qui a dit oui à une proposition à laquelle tu ne devrais pas dire oui. Il y a un homme qui a dit oui à une femme qu'ils ont placée minutieusement sur ton chemin, à qui tu ne devrais même pas dire oui. Si tu avais eu le discernement, tu allais savoir que c'était la tentation avant la bénédiction. Tu allais savoir que c'était le piège, l'épreuve et autres. Pourquoi tu es tombé si facilement dedans? Pourquoi tu as cru en la parole de tes amis? Pourquoi quelqu'un t'a appelé au moment où tu avais juste un peu d'argent pour faire des projets du village pour t'inventer une histoire à dormir debout? Pourquoi c'est au moment où tu as eu de l'argent pour faire ce que le Seigneur voulait que tu fasses que quelqu'un est tombé malade? Pourquoi c'est exactement quand tu avais finalement atteint ton but que quelqu'un va maintenant venir dire « Ah oui, on a vu un terrain ici, ah il y a une affaire ». Pourquoi cette affaire-là n'est venue seulement que quand tu avais l'argent? Pourquoi c'est pas venu avant? Pourquoi exactement au moment favorable? C'est parce que l'ennemi savait qu'il fallait trouver un moyen pour t'avoir. Ton seul problème, tu n'as pas eu de discernement. Lorsque tu as vu ce bel homme, tu l'as regardé, tu dis, oh, quel bel homme. Tu as regardé ses muscles, sa taille, sa corpulence et autres. Tu as tout regardé et tu as commencé à convoiter. Ton cœur a désiré, Satan dit, c'est bien. Continue comme ça. Satan dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Et tu es tombé dedans. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Manque de discernement. Je me rappelle une femme qui a commencé à faire les histoires avec son mari. Tout simplement parce que elle est allée quelque part, elle a croisé un gars beau, grand, clair, comme les femmes aiment bien. Et là, l'homme a commencé à lui faire des avances. Elle est tombée amoureuse. Ça dit que quelqu'un que tu croises un premier jour, premier jour, tu tombes amoureux. Tu ne peux pas savoir que le gars-là, il est bizarre. Premier jour, elle est tombée amoureuse. Alors, elle garde le contact avec le monsieur en tant qu'un bon dragueur et il retourne sa tête. Il retourne sa tête. Le gars lui a promis le ciel, il lui a promis la terre, il lui a promis même des cailles, des étoiles, tout ça là. Madame est tombée KO, comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est le genre de truc où tu dors au téléphone pendant 20 heures et puis tu ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi tu peux tenir autant au téléphone? Tu ne comprends pas pourquoi tu peux être tant résistant, tant persistant, tant persévérant à écouter quelqu'un te raconter les mêmes histoires encore et encore. Et puis tu ne te fatigues pas. Mais elle croit qu'elle est tombée amoureuse. Alors, je suis tombée amoureuse. Mais il y a un gars là qui est là-bas là qui m'embête tout à l'heure. Comment je vais me débarrasser de ce gars là? Là, elle va commencer à faire ses plans. Comment elle va faire pour se débarrasser du vieux père? Tu vois, non? Comment elle va se débarrasser du vieux père? Elle a réfléchi jusqu'à elle dit bon. Ici au Canada, quand femme fait palabre, garçon, c'est garçon, on chasse. Les blancs là, ils n'ont qu'à revoir l'affaire là. Hein? Comment quelqu'un paye sa maison quand il fait palabre, c'est lui, on chasse. Je leur demande pardon, ils n'ont qu'à les voir à faire là. Il y a trop de gens qui profitent de ça. Non, souvent la loi n'est pas gentille à nous. Donc, c'est comme cela. Elle est allée, elle a créé palabre. Et puis ça marchait. Elle a fait photo, tout ça là. Elle a filmé même quand le gars quand le gars a enflé sa bouche. Elle a tout filmé. Elle croit qu'elle a réussi son coup. Elle dit voilà, ça a marché. Donc le monsieur il est parti. Il a demandé pardon. Elle dit elle veut pas. Parce qu'il y avait quelqu'un là-bas qui l'allumait. Tu vois non? Demander pardon. Elle dit non, il n'y a pas de négociation. C'est fini. Fini les négociations. Négociation est finie. Oh, même moi-même là, quand j'ai tenté de négocier pour le gars, même en façon, on m'a rembourré là, même quand on m'a bloqué. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Déjà, c'était un piège. Jusqu'à quelques années sont passées. Le gars là, qui était là-bas là,
Quand il a fini pour lui, il s'est cherché. Il a mangé, puis il a fraya. C'est ce que les Ivoiriens appellent le mougoupan, là. Il a mangé, puis il s'est cherché. Donc, tu vois, déjà, quand tu fais à quelqu'un, on te fait la même chose. C'est comme ça, hein. Le gars a fui, disparu, laissé la dame seule. Et elle a perdu son mari. Et Dédé n'a pas tenu ses promesses. Vous voyez, si elle avait eu le discernement, il n'y a pas ça pour là ici, tu cherches, tu trouves. Si elle avait eu le discernement, elle allait savoir que, hey, faut faire attention, tout ce qui brise, ce n'est pas de l'or. Manque de discernement. Vous voyez, le discernement, c'est quelque chose de très important. Elle est très importante, cette chose. Vous voyez ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit en Philippiens 1, verset 9 à 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour pour le Seigneur augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ma sœur, tout petit conseil que je te donne là, c'est pour ton but. Et j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement. Ça dit, le discernement, c'est l'intelligence pour comprendre même les choses cachées, pour découvrir même les choses cachées, pour décoder même les choses cachées, pour comprendre même la face cachée des choses. C'est-à-dire, le discernement, c'est comme une intelligence qui te permet même de poser des actions même réelles, de donner même des réponses vraies, de prendre même des décisions qui sont cohérentes et puis tu ne sais même pas par quel miracle tu as pris cette décision. Ça veut dire que tu donnes une réponse qui est vraie. Tu discernes. Ça veut dire que quand tu as le discernement là, ça peut t'empêcher de faire des erreurs. Ça peut t'empêcher de poser des actes. Ça peut t'empêcher d'aller dans des endroits. Parfois même tu t'en vas quelque part et puis tu as l'intuition que quelque chose va se passer. Tu sais pourquoi tu as l'intuition que quelque chose va se passer? C'est parce que ton esprit a déjà discerné que là où tu vas là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors quand tu as le discernement te permet d'avoir l'intuition. Et par intuition, tu peux sentir les choses, tu peux comprendre les choses, parce que déjà ton esprit a discerné et tu pressens. Frère, le manque de discernement a conduit beaucoup de gens dans des problèmes. Sœur, le manque de discernement a fait que beaucoup de femmes se retrouvent dans des mariages qui s'appellent « Qu'est-ce que je fais là ?» Le manque de discernement a fait qu'il y a des gens qui se retrouvent en dehors du plan de Dieu. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ils se sont retrouvés totalement hors du panneau, loin du plan. Ça dit que la destination a été ratée, la destinée a chamboulé. On s'est retrouvé dans un coin où on ne sait même pas, on fait quoi là? Dans une famille où personne ne veut voir ta tête. Tu es dans un endroit où tu luttes même pour avoir ton plaisir. Ça dit que la joie même n'y est pas. Tu forces même. Ça dit que ton corps est là, mais ton esprit est en train de chercher où tu vas te positionner. Il y a des gens qui sont dans des relations comme ça. Dans des boulots comme ça. Assis là, mais tous les jours, tu es en train de réfléchir. Ton esprit est épapillé. Tu réfléchis, est-ce qu'il va aller faire ça? Ça veut dire que tu es présent, mais tu es absent. Il y a des femmes qui sont dans des relations comme ça. Il y a des hommes aussi qui sont dans des mariages comme ça. C'est pas pour rien, parfois, les hommes sont assis et puis ils ne veulent pas parler à leur femme. Parce que tout les nerve. C'est pas pour rien que les femmes aussi, elles sont là dans la maison. Parfois, elles n'ont pas envie de toucher quelque chose. Parce que tout les nerve, elles se demandent, mais qu'est-ce qui m'a poussé à venir ici? C'est la vérité. Tout l'énerve, toutes les questions que tu lui poses, ça l'énerve. Parfois, elle n'a même pas envie de répondre. Tu peux poser une question et puis la réponse vient une heure après. Tu poses une question. On écoute, on dirait, on n'écoute pas. C'est ça le truc. On t'écoute, on dirait, on ne t'écoute pas. C'est la vérité que je vous dis. Les gens souffrent, c'est pas à faire. C'est la vérité. Oh, vraiment. Ça dit que ce sont les gens qui disent non, on fait avec. Tu n'es pas venu sur terre pour faire avec. C'est un petit conseil que je te donne. Tu n'es pas venu sur terre pour faire avec. Si tu dois toujours faire avec, à la fin de ta vie, tu vas finir par regretter. Ah oui, c'est moi qui t'ai dit ça. Ma soeur, si tu veux vraiment faire, tu vas voir. Pour faire avec, tu vas voir. Quand on fait avec, là, c'est qu'on n'a pas encore trouvé ce qu'on veut.
Tu entends quelqu'un qui dit non, Marie, quand on fait avec, c'est qu'il y a un problème. En tout cas, moi, je te dis ça en même temps. Là où on fait avec, là, c'est qu'on n'a pas encore eu ce qu'on veut. Donc, je te garantis que si tu es dans cette situation-là, c'est que toi, tu as besoin d'une délivrance instantanée. Délivrance immédiate. Parce que là, le temps, tu vas finir de te réveiller là. Ils ont déjà tout pris pour te laisser. Et vous voyez le manque de discernement. Vous voyez, si on écoutait Dieu, si on se fiait à Dieu, si au lieu d'écouter notre chair, on écoutait Dieu, je vous garantis que il y a des questions même qu'on ne se poserait même pas. Parce que ces questions-là, ce ne sont pas des questions qu'on doit se poser aujourd'hui. Je vous assure, toutes les questions bidons que tu te poses aujourd'hui, là, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas aujourd'hui que tu devrais te poser ces questions-là. Ce sont des questions que tu devrais poser à Dieu depuis longtemps. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui t'a pris. Tu as préféré écouter ta chair, ton ventre, ton corps, tes habits que tu n'as pas. Il fait froid, tu as besoin d'homme. Il faut rester là, tu as écouté le froid. C'est ça l'affaire. Donc, il y a des questions que tu ne devrais même pas te poser aujourd'hui. En fait, il y a des questions qui ne sont même pas nécessaires aujourd'hui parce que tu es déjà dedans. Tu es déjà dedans jusqu'au cou. Tu vois, non? Donc là, là, même si tu as la réponse, ça va changer quoi? Dis-moi. Même si tu as la réponse, tu vas faire quoi avec? Oh non, arrêtez d'embêter les gens. C'est ça, soyons honnêtes. J'ai dit, allez là, où tu as fait 20 enfants pour le gars là. Si tu as la réponse, tu as fait quoi avec? Dis-moi. Mon frère, toi-même là, où tu as déjà fait 50 enfants, la femme là, elle dit, je bouge pas. Elle dit, moi, toi et moi là, je bouge pas, ton pied, mon pied. Elle dit, tu m'as donné 5 enfants là, qui va prendre ça? C'est la vérité. C'est la vérité, tu es déjà dedans. La femme là, il y a des femmes là, elles sont folles. Elle dit, moi, je bouge pas. C'est tout. Elle bouge pas. Oh. Elle dit, elle bouge pas. Tu veux pas là. Ça, la même justice peut rien faire. Même police, même vivre. C'est les gens qui jettent dehors et puis ils sont là. Tu jettes, ils sont là. Partout, tu t'en vas là. C'est le genre de personnes que c'est juste la mort qui peut vous séparer. Donc, toi, tu crois que quoi? Tu es déjà dedans, tu as fait quoi? Même si tu posais à Dieu la question, où est la femme de ma vie? Et puis, tu dis, non, ta femme, la femme de ta vie là, elle est là-bas à Singapour. Tu as fait quoi ça? Tu as fait comment? Tu as fui pour aller où? Faut me dire aujourd'hui là, je veux comprendre. Explique-moi ton plan. Tu vas vivre aller où? Il y a pas. La vie n'est pas facile, hein, vraiment. C'est ça à faire là. Même si Dieu te dit aujourd'hui, tu as vu pour aller où? Tu es collé, c'est serré, c'est collé ton pied, son pied. La vie n'est pas facile, hein. Parfois, on va se mettre dans problème et puis on nomme sa solution. Ah! Non. Tu es dedans, aïe. Tu veux pas, tu es dedans. C'est collé dans ton dos comme ça, bye. Voilà, donc il y a des questions qu'on ne se pose pas maintenant là. Tu peux demander à Dieu de l'aide. En tout cas, c'est toi qui décides ça. C'est ça. Donc, Osée 14, verset 9 dit ceci. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Alors, vous voyez, la parole de Dieu déclare que les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront. Mais, bien aimé, les rebelles y tomberont. Vous voyez, quand on se rebelle contre Dieu, là, quand Dieu nous dit de patienter, puis on dit on ne veut pas. Quand Dieu nous dit, ça ne va pas, mais restez tranquille, je vais m'occuper de vous. Quand on n'écoute pas, là, c'est comme ça. Vous voyez que il y a bien de choses qu'on aurait pu éviter si seulement on avait eu le discernement. 2 Samuel 14, verset 17 dit ceci. Voilà. 2 Samuel 14, verset 17 dit ceci. Ta servante a dit, que la parole de mon Seigneur, le roi, me donne le repos. Car mon Seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu, prêt à entendre
le bien et le mal, et que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Vous voyez, notre problème, c'est qu'on n'a pas laissé le Seigneur nous accompagner dans certaines décisions. Très souvent, nos décisions ont été influencées par le besoin. Or, lorsque c'est le besoin qui guide vos sens, qui guide vos choix et vos désirs, c'est sûr que vous êtes prêt à vous soumettre à tout. N'est-ce pas la vérité? Quand c'est le besoin qui guide tes choix, quand c'est le besoin qui guide ton raisonnement, quand c'est le besoin qui guide tes décisions, frères et sœurs, tu es prêt à accepter n'importe quoi parce que tu veux que ton besoin soit comblé. La Bible déclare que le désir, c'est la carie des eaux. Selon le livre de Proverbes, le désir, c'est la carie des eaux. C'est à cause du désir qu'on s'inquiète. C'est à cause du désir qu'on réfléchit même pas. C'est à cause du désir qu'on n'écoute même pas Dieu. C'est à cause du désir qu'on est pressé. Oui, Seigneur, regarde, l'autre femme s'est mariée. Mon ami s'est marié. Ma copine s'est mariée. On fait comme si la vie était une compétition. Et finalement, on ne peut plus voir les pièges. Parce qu'on regarde où on s'en va. Comment on va faire pour y arriver? On ne pose pas la question à Dieu de le savoir. Comment on va faire pour éviter les pièges? On ne pose pas à Dieu la question de le savoir. Alors, tu vas finir un beau jour. On a déjà prophétisé que tu vas marier un blanc. Mais avant que le blanc n'arrive, tu as déjà 15 enfants avec un noir. C'est ça. Et là, maintenant, au bout de quelques temps, quand Satan sait qu'il a perdu ton temps, il se rend compte qu'il t'a eu, maintenant tu n'as plus rien à foutre avec ce noir, il retire le noir pour aller travailler ailleurs, et toi tu es là maintenant avec des enfants, et c'est là maintenant tu es à l'église, oh Seigneur oui, je veux mon blanc, je veux mon blanc, tu veux quel blanc? Vous me dites, tu veux quel blanc? C'est la vérité, tu veux quel blanc? Quand on t'avait dit qu'il y avait un blanc qui allait arriver là, pourquoi tu n'es pas resté tranquille? Non, la vie est compliquée. Moi, là, si j'étais conseillé de beaucoup de gens, là, ils n'allaient pas se retrouver dans autant de problèmes comme ça. C'est vrai, quand je parle de... c'est la vérité. Toi-même, là, on t'a bien dit que c'est blanc. Si c'est pas blanc, là, faut rester tranquille. Tu es allé chercher quoi là-bas? Vraiment, les gens, ils me fatiguent. C'est la vérité. On dit, il y a blanc qui arrive. Et toi, tous les noirs, là, tu les laisses passer. Tu vois un noir, tu dis, passez ici. Tu vois un noir, tu dis, mon frère, viens. Tu vois un noir, tu dis ça. Là, maintenant, le noir, il te laisse avec 10 enfants et puis il s'en va. Les noirs aussi, ils ne comprennent pas grand-chose. On dirait, c'est machine. Il te laisse avec 10 enfants. Là, maintenant, tu es en train d'intercéder pour avoir ton blanc. Tu vois, non? C'est la vérité, maintenant, là, tu es en train d'intercéder pour avoir ton blanc. Tu crois que blanc... blanc, vraiment il te faut un blanc courageux avec 10 enfants, il va faire quoi? Il va te dire non, mais ma soeur, c'est pas une équipe de football, il y a les enfants de ta cousine dedans. Tu as dit non, c'est pour moi, mais tout ça là c'est pour moi. Il va dire ah bon, tout ça c'est pour toi? Ben ils mangent comme ils mangent, ben vous les Africains, tu sais, les blancs ils aiment pas embrouiller. Donc, c'est à faire là. Le manque de discernement, vraiment, ça conduit les gens à faire des choix. Les grands sœurs, quand je parle là, c'est pas pour vous attaquer. Moi, j'ai pas dit non de quelqu'un. C'est que si tu mets amen et parler, tu n'as pas mis amen et parler. Si tu faut mettre cœur, si tu faut mettre cœur, faut mettre tête noire. Tout ce que tu mets là, je vais parler quand même. Donc, ayons le discernement. Vous êtes trop pressés. Moi, je sais pas vous allez où. C'est la vérité que je vous dis. La vérité d'amusement, mais c'est vérité quand même. Alors, dis à quelqu'un, si vraiment tu veux ton blanc là, faut patienter. Alors, la parole de Dieu déclare en Job 6, verset 30. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Vous voyez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à discerner. Ok? Nous devons apprendre à discerner. Frère, l'une des choses les plus importantes que le Seigneur voudrait que nous acquérions, c'est le discernement. C'est le discernement. Le discernement nous permet de faire de bons choix. Le discernement nous permet de comprendre les choses. Le discernement, bien aimé, il faut partager. Partager, on va continuer. Partager. Désormais là, même si tu vois des choses qui brillent là, tu vas regarder, tu vas réfléchir avant de toucher. Là, tu vas savoir que, attention, c'est pas tout ce qui parle bien là qu'il faut écouter. C'est pas tout. Non. On veut des résultats. On veut pas parole. On veut résultats. Parce que, bien aimé,
Il y a des bons parleurs, il y a des bonnes parleuses. C'est ça. Aujourd'hui, j'étais en train de dire quelque chose à une soeur. J'ai dit, mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai dit ça, j'étais en train de dire ça, puis il y avait un monsieur qui me regardait. J'ai dit, mais comment parfois nous, les hommes, on est bêtes? Les hommes, on est bêtes parfois. C'est la vérité que j'ai dit. Il y a un homme qui va dire, oh, il a dit ça. Il dit, oui, j'ai dit ça, et puis j'assume. Nous, les hommes, parfois, on est bêtes. Comment tu vois une femme? Tout ça, ce qu'elle suit, elle a ses peintures. Peinture, peinture, hein? Bleu, bleu, brillant, brillant. Et puis, garçon, quand il voit ça, il dit qu'il a trouvé femme. Je vous assure. Garçon voit ça là et puis dit, oh mon Dieu, ah, j'ai vraiment trouvé une belle femme. Tout ça là, c'est peinture, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'est peinture, je t'assure. Du haut jusqu'en bas, tout c'est peinture. Si elle lave le visage, tu vois, on dirait que c'est quelqu'un d'autre. Mais garçon a du mal à comprendre ça. Hein? C'est la vérité. Comment quelqu'un, tu vois du matin au soir, quand elle dort, elle devient quelqu'un d'autre. Quand elle se réveille, là, c'est quelqu'un d'autre. Quand elle se réveille, 2 heures après, son visage change. Moi, je ne comprends pas. Hein? Comment garçon n'arrive pas à comprendre que mon frère, ça là, ça c'est Fantomas. C'est la vérité. Les garçons, oh. S'il y a des gens qui ne comprennent pas vite les choses, ces garçons. Et t'as su, tout ça là c'est peinture, tout ce qui est sur elle c'est faux. Faux cheveux, faux ongles, faux cils, même yeux là même c'est faux. Tout est faux. Et puis quand il voit ça comme ça là, vraiment il est aux anges. Oh, les garçons disent maintenant vraiment, c'est pas ce qu'ils veulent. Hein. Oh. Garçons sérieux. Je vous assure, demandez aux garçons, vous allez voir, ils ne comprennent pas. Tu vois ici, c'est bleu, 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 bleu. Ici, c'est quoi? Rouge. Et puis ici, on met noir. Et puis ici, on met un peu rose, bleu, ça dépend de la journée ou de l'habit qu'on a porté. On peut mettre noir très foncé, on peut... Tout ça là, c'est faux. Il n'y a rien qui est vrai dedans. Et puis, garçon, quand il voit ça là, on dirait quelqu'un à qui ils ont donné Bangui blanc. Rien, il ne comprend pas. Et puis 2 jours après, il est là. Ça, je ne comprends pas. 2 jours après, il est là, il regarde dehors encore, il voit l'autre, il commence à courir derrière. Tout ça là, c'est peinture, mon frère. Peinture, il faut demander à la pierre à laver le visage. Tu vas voir qui tu as fait. Demander de laver le visage. Tu vas voir qui tu as fait. Garçon n'a pas le discernement, je t'assure. Discernement chez garçon, il n'y en a pas. Il mélange tout. Tout ce qui brise est de l'or. Tout ce qu'il voit, il tape dessus. C'est ça le garçon. Garçon, vraiment, parfois, ils n'ont pas le discernement. Ils ne discernent pas. Tu envoies ta petite sœur, même si tu t'amuses, ils vont toucher ça. Petite sœur, il prend. Même si c'est sa maman, il prend. Les garçons, vraiment, ils ont besoin de délivrance. Il n'y a pas de discernement chez eux. Ça dit, il y a des garçons, il faut les surveiller. Il faut mettre caméra. Quand tu sors, tu mets caméra. Tu lui dis, hey, toi, il m'en va, il faut laisser ma petite sœur tranquille. Si tu ne l'avertis pas, là, tu seras étonné. Non, les gens ne sont pas bien. Donc, le discernement, ça vraiment, si on n'a pas de discernement, on ne sait pas faire la différence. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a des sœurs qui viennent m'appeler pour dire, non, ma petite sœur s'est mariée avec mon mari. Il dit, ben, c'est ça. C'est l'affaire là qui est là. Non, ma petite sœur et mon mari se sont mariés, ils m'ont laissé tomber. Donc le gars n'a même pas réfléchi. Il y a une même qui a trouvé son mari en train de coucher sa maman. Donc tu comprends qu'ils n'ont pas le discernement. Ce sont des gens, il faut les surveiller à tout moment. Alors, vous voyez, c'est vrai que c'est un peu drôle, mais ce que je tentais de vous faire comprendre, c'est que si nous n'avons pas le discernement, nous faisons des erreurs. Le manque de discernement peut pousser un homme à se marier à une femme qui ne vaut même pas la peine. C'est la vérité. L'homme doit discerner la femme, ses qualités, ses intentions et ses visions. Voilà, moi je dis ça aux hommes. Faut discerner la femme. Faut pas regarder peinture. Faut pas regarder peinture là. Faut laisser avec des peintures là. Faut regarder son intelligence. Tu regardes son intelligence et son cœur. Les deux là, si tu as ça, tu as la meilleure femme. C'est tout, mon frère. Si tu regardes son intelligence et son cœur, une femme intelligente peut motiver un homme pauvre à devenir quelqu'un. Une femme qui a un bon cœur peut valoriser un homme. Mais la méchante, hey, c'est pas. Faut prier Dieu que ça aille tout le temps. Tes erreurs là, elle va prendre pour t'insulter. Ton passé,
elle va prendre pour t'insulter. Tes faiblesses, elle va prendre pour t'insulter. Oh. Faut prier Dieu que si elle a payé habit pour toi, là, le jour elle est fâchée, là, faut pas te croiser dans la rue. Faut pas te croiser dans la rue. Tu vas enlever ses chaussures pour lui donner. Donc, tu vois, c'est ça. Tout homme qui veut vraiment réussir dans la vie, là, tu as besoin d'une femme qui te colle la paix. Une femme de vision et non une palabreuse inutile. Une femme qui a un bon cœur. Qui t'aime parce que tu es un homme. Qui t'aime parce qu'elle veut cheminer avec toi. Mais ce n'est pas une femme qui va te faire les histoires parce que sa copine, son mari lui paye si. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui va te prendre comme si elle était dans un magasin où tout ce qui sort de nouveau, elle veut voir ça dedans. Non. Je parle pour les hommes et parler pour les femmes. Voilà, mon frère. Ta femme là doit pas être comme si elle est dans un magasin où tout ce qui vient à la mode, elle veut avoir ça dans le magasin pour être à jour. Non, si c'est ça, tu n'as pas marié femme. Tu as eu problème, il t'assure en même temps. Voilà. Et puis une femme, voilà. Femme, faut pas regarder garçon selon sa bouche. Tous les garçons là, ils savent comment draguer femme. Je te dis ça. Il n'y a pas petit garçon, il n'y a pas grand. Et tous, ils savent draguer femme. Si c'est affaire de, si c'est parole de garçon, tu regardes là. C'est que tu n'as pas encore trouvé ce que tu gères dans la vie. Je te dis, nous tous, on sait draguer femme. Qui ne sait pas draguer femme? Qui ne sait pas manger? Il y a des choses là, c'est naturel. C'est la vérité. Quand je parlais là, les hommes disaient Alléluia, Amen. Elle dit pour les femmes. Tous les garçons savent draguer. Tous, ils savent mentir pour avoir femme. Je te dis, si ça devient compliqué là, il faut ajouter fausse promesse dessus. Sinon, il va pas céder. Surtout quand tu es chaud là. Même s'il faut aller prêter voiture de quelqu'un, on est prêt à faire ça. Même s'il faut aller prêter habit de ton ami, il n'y a pas de problème. Même s'il faut inventer que ton papa était ministre et que tu as un chat en Afrique, il n'y a pas de problème. Elle te dit, non, ne t'inquiète pas. Tu sais, en Europe là, c'est difficile, mais en Afrique, il y a chat de VA, il n'a pas chat de VA. Ça veut dire que même s'il faut inventer, tout simplement pour voir ce que tu caches là, il est prêt à inventer. Donc, ma soeur, pardon, vous là qui restez jamais tranquille, c'est pas pour rien, on vous ment tout le temps à Paris. On vous ment à Paris, ça finit pas. On vous ment, ça... après vous allez rester là, vous serez comme des philosophes, femmes philosophes. Tous les garçons sont des menteurs. Bébé, c'est ça que je te dis là. Tous les garçons sont les mêmes. Parce que toi, tu n'as pas encore compris la chose. Alors, aie le discernement. Parce qu'il y a des gens qui cherchent garçons pour chercher garçons. Vous voyez? Et c'est d'ailleurs même vous-même qui vous attirez les problèmes. Parce que quand vous sortez samedi là, vous n'avez jamais de bonnes intentions. Quand vous marchez dans la rue là, vous n'avez jamais de bonnes intentions. Il y a des femmes qui sont à la base de leur malheur. Donc ce que tu as cherché là, faut garder. Moi, je suis pas gentil, elle te dit ça en même temps, c'est bien fait pour toi. Tu as bien voulu ça. Ton opération de séduction là, c'est ça non? Ton opération séduction numéro 2, séduction numéro 3, c'est toi-même tu es allé chercher problème. Tu es allé te mettre dans problème, carrefour des problèmes au nom de Jésus. Faut accepter ça. Mais il y en a qui n'ont pas voulu. C'est arrivé comme ça, par hasard, on ne sait pas comment. C'est qui est-ce qu'on est dedans. Donc, tu vois, frères et sœurs, nous devons avoir le discernement. On ne peut pas aider Dieu à accomplir des choses. On doit demander à Dieu et quand Dieu nous accorde la compassion, c'est là que, quand il voit que nous sommes sincères, c'est là qu'il accomplit les choses. Il y a des gens qui veulent aider Dieu. Voilà, il y a des femmes qui se sont mises dans des problèmes. Il y a des garçons avec qui vous avez eu enfant là. C'est vous-même, vous êtes allé vous mettre en évidence. C'est vous-même, vous avez fait opération séduction. C'est vous-même, vous avez tout fait. Tout fait, le gars il dit il veut pas, il dit il va vouloir, choco, ça va marcher. C'est pas comme ça, vous les Ivoiriens vous parlez là non, choco na tchaka ça va marcher. Voyez ça qui est là, choco na tchaka, voyez ça faut assumer maintenant, choco na tchaka ça marche. Ça dit que dans tous les cas ça va marcher, choco na tchaka il va céder, tu as forcé. Maintenant là voyez ça faut assumer, c'est tout. Choco, ça va marcher, allons seulement, on va voir si quand ça marche là c'est bon. Voilà, c'est ça qui est là. La vérité, c'est ça que vous n'aimez pas. Vous aimez les pasteurs qui vous chantent l'hymne national d'un autre pays en vous faisant croire que vous serez citoyen de ce pays. Non, c'est pas moi qui vais vous dire ça. Alors, une femme a besoin d'un homme qui voit plus loin que le présent. Une femme a besoin d'un homme qui n'aime pas le sport. Même s'il aime le sport, c'est pour juste se décontracter. Mais si tu as un homme qui est accroché à la télé, c'est que tu es vraiment au mauvais endroit. Vous savez que l'une des choses qui fait que nous, les enfants de Dieu, on rate beaucoup le ciel, ou on n'est pas bien, ou on est malheureux, c'est que on n'a pas le discernement. Vous savez, Josué a dit dans sa parole, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais très souvent,
On s'en fout de ces détails-là, de ces critères, la vie des prières, la vie des méditations bibliques et autres. Et aujourd'hui, on se soulève n'importe qui, on se met avec n'importe qui et autres. Et voici maintenant, tu es même obligé dans ta propre maison de te cacher pour lire la Bible. Tu es même obligé de te cacher pour prier ton Dieu. Tu es même obligé de te cacher pour suivre les pasteurs. Alors, dès que ton mari y rentre à la maison, même si tu as un peu de temps, ça dit que si tu n'as rien à faire, faut rester là pour regarder son visage. Il te parle ou il te parle pas, ou tu dois rester là. Comment un homme peut-il dire, moi je préfère que tu regardes la télé toute la journée si tu veux, mais si c'est la parole de Dieu, n'écoute pas. Il y a un homme qui a dit ça. Il dit à sa femme que même si tu veux regarder la télé du matin au soir, il faut regarder. Mais si c'est la parole de Dieu là, jamais. Vous comprenez? Et finalement, tu t'es retrouvé avec quelqu'un qui t'interdit de lire la Bible, avec quelqu'un qui t'interdit de servir Dieu, avec quelqu'un bien-aimé. Et puis il y en a qui disent non, faut prier, il va donner sa vie à Dieu. Bien-aimé, c'est pas toi ta prière qui donne ta vie, qui fait que l'homme donne sa vie à Dieu. C'est la décision de Jésus qui fait. La Bible déclare que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Voici pourquoi tu vas voir que ton mari, là, tu as prié pour qu'il donne sa vie à Dieu. Au lieu qu'il donne sa vie à Dieu, il devient de plus en plus méchant. Parce que c'est Dieu qui accepte les gens. C'est vrai que si Dieu entend ta prière, si Dieu entend tes supplications, si vraiment tu es sincère, s'il voit que ce monsieur-là, il y a quelque chose de bon en lui, Dieu va le récupérer. Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des questions qu'on aurait dû poser à Dieu dès le départ. Ces questions allaient nous éviter les batailles que nous sommes en train de mener. Mes frères, vous-même là, il y a des questions que vous auriez dû vous poser dès le départ. Vous voyez, j'ai un frère que j'aime beaucoup qui est aux États-Unis. Ce frère, il a fait venir sa femme aux États-Unis. Ils ont acheté une grosse maison, tout, tout, tout. Et aujourd'hui, elle est rentrée dans une secte. Une amie est allée la balancer dans une affaire là qui est au Congo. Ils adorent je ne sais quoi là. Et aujourd'hui, la fille est sous le même toit avec le jeune homme. Et puis, elle entretient une relation dehors. Et puis, la maman aussi, elle soutient sa fille dans ses bêtises. Et le gars là, il souffre. Lui et ses enfants souffrent. Mais sa femme là, elle s'en fout. Elle fait ce qu'elle veut. Elle découche. Elle voyage. Elle fait des voyages amoureux. Elle fait ce qu'elle veut. Et autres. Et le gars, elles font chambre à part. Le gars pleure. Le gars souffre. Mais cette femme-là a un cœur qui est comme un caillou. Et le gars. Oh non, bien-aimé. Que le Seigneur aide ce frère-là. Il aime encore. Belle femme. Mais un cœur insensible. Belle femme, mais un cœur méchant. Avec une mère méchante qui l'encourage. Il y a des mères qui encouragent leurs filles à faire des bêtises. Ils ont des enfants. Ils ont la maison. Ils payent tout dans la maison. Il a fait venir même sa belle-mère. Et sa belle-mère soutient sa fille dans les bêtises. Si vous êtes avec une belle-mère qui ne vous aime pas, elle va toujours vous soutenir sa fille même dans les bêtises. Parce qu'en fait, ce n'est pas vous qu'elle voulait pour. C'est la vérité que je vous dis. Donc vous comprenez, frère, même si je parle en faveur des femmes, je dois aussi parler en faveur des hommes. Hommes, ne regardez pas seulement les femmes selon leur apparence. Pour être honnête avec moi, avec vous, hein, certains se sont cassés la tête 1000 fois. C'est maintenant qu'elles tentent de recoller les morceaux. Quand elles avaient l'opportunité d'être des bonnes personnes, elles ont vécu comme des gens qui ne réfléchissaient pas. Elles ont fait n'importe quoi. Elles se disent, j'ai tout mon temps. Et encore là, si elles décidaient de dire, maintenant même je vais changer, on peut comprendre que Dieu puisse accorder la faveur à quelqu'un. Sœur, pareillement vous aussi en tant que chrétien, faites attention. Faites attention. Si vous vous mettez dans des situations chaotiques et critiques, vous savez,
On ne peut pas changer la nature d'un homme. Il n'y a que Dieu seul. Le changement que le Seigneur opère là, c'est pas un changement que Dieu force les gens à opérer. Mais c'est un changement qui survient quand quelque chose change dans l'esprit de l'homme. Voici pourquoi Dieu ne nous force pas. La décision doit être volontaire. Il peut nous forcer, mais il permet que ce soit volontaire. Or, quand tu vis avec un homme qui ne se sent pas encore prêt pour certaines choses, tu vas faire quoi? Oh, tu vas souffrir. Tu vas galérer. À un moment donné, ma soeur, tu seras tellement malheureuse dans ton foyer que il y a une seule chose qui sera ta source de joie. La parole de Dieu. Tu n'éprouveras aucun plaisir à être dans ce foyer. Je te le dis, tu vas venir dire que ce frère-là, vraiment, le Seigneur l'inspire. Tu n'éprouveras plus aucun plaisir. Ça veut dire que tu seras dans le foyer, mais tu auras plus de plaisir à parler à tes amis, à parler aux gens de dehors, que dans ta propre maison. Ça veut dire que dans la maison, c'est mort. Tu vis dans la maison pour vivre dans la maison. Peut-être que parfois, c'est parce que tu n'as pas encore l'argent pour aller prendre autre maison. Peut-être que parfois, c'est parce que tu n'as pas le choix. Peut-être que parfois, c'est à cause de tes enfants. Hein. Mais dans ta maison, là, quand tu rentres là, c'est comme si tu rentres au cimetière. Silence, malheur, souffrance, angoisse, stress. L'atmosphère est chargée. Ça veut dire que si vous deux même vous croisez par hasard dans la même douche là, c'est un peu comme si ce sont des ennemis qui se sont croisés. En fait, la relation sera à 2%. La seule chose qui va être ton réconfort, c'est la parole de Dieu. Donc tu vas finalement te réfugier 24/24 dans la prière. Et en dehors de la prière, il n'y a rien d'autre qui te donne le plaisir. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas discerné. Tu n'as pas discerné. Il y a des femmes qui sont à la base de ça. Parce qu'elles aussi, quand elles sont dans le foyer, là, le comportement qu'elles ont, là, elles sont le genre de femmes qui détruisent. Comme la Bible le dit, la femme insensée renverse son foyer de ses propres mains. Il y en a qui ont provoqué. Ça, là, c'est sûr. Il y a des femmes qui ont provoqué. Parce que quand elles viennent s'asseoir dans le foyer, là, elles font comme si n'importe quel homme Dieu va les prendre. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Il y a des femmes qui sont dans des foyers, elles tiennent tête à leur homme. C'est comme si quand l'homme là va les laisser, leur ex va les prendre. C'est ce qui est dans leur tête. Il y a des femmes, excusez-moi du thème, elles sont exactement comme la Bible appelle la femme insensée. Ça veut dire que toi, tu as eu 20 gars, 20 hommes. Tous sont couchés avec toi. Il n'y a même pas un qui est allé voir ton père et ta mère. Il n'y a même pas un qui a eu le courage de dire oui, je t'aime. Comment parfois certaines femmes ne réfléchissent pas? Elles ne réfléchissent pas. Tu as croisé 25 hommes, 30 hommes. Aucun d'eux n'a eu le courage de faire ce que ce gars a fait. Il y en a qui ont fait 5 ans avec toi. Il y en a qui ont fait 2 ans avec toi. Il y en a qui ont fait 8 ans avec toi. Il y en a même qui ont joué avec toi, qui t'ont traîné dans la boue, qui t'ont même pas honoré. Il y en a même, c'est à l'hôtel, qui couchaient avec toi-même. Même pas chez eux, même tu n'as jamais vu chez eux. Ça veut dire qu'un gars que tu n'as pas vu chez eux, hein, celui-là que tu appelles mon gars, mon fiancé, mon homme là, tu n'as jamais vu chez lui. C'est dans l'hôtel, il couche avec toi, ou bien chez toi, ou chez ses amis. Et un jour, par sa grâce, le Seigneur t'envoie un homme. Certainement, il n'a pas tous les moyens qu'il faut. Il n'a pas tout ce qu'il faut. Peut-être qu'il n'a pas la beauté ni la taille qu'il faut. Il n'a peut-être pas le travail que tu veux. Et cet homme-là te regarde et dit, toi, moi je vais te prendre. Là où on t'a laissé tomber, là, moi je vais te récupérer. Et puis toi, tu es assis dans le foyer, quand tout est rassuré, là, bêtement, tu te comportes comme si oui, oh bon, comme dans tous les cas, tu ne l'aimes pas assez, tu t'es débrouillé pour l'accepter parce que tu n'as pas le choix. Et lui, il te marie. Et puis toi, tu es assis dans le foyer, tu deviens arrogante, impolie, insolente, il parle un, tu parles deux, et puis dans ta tête là, tu te dis dans tous les cas, si tu laisses là, tu as l'autre gars là qui continue de courir après toi, que lui t'aime. Ah bon? Et puis à un moment donné, tu commences à tout détruire. Comme le monsieur sait que tu ne l'aimes pas, tu continues de convoiter ton ex. L'homme, quand c'est comme ça, il commence à mettre des barrières, il commence à mettre des limites, il commence à tout bloquer, à tout verrouiller. Même la communication sera bizarre. C'est comme ça, ça se passe. Et c'est là que la froideur commence à s'installer et que vous devenez maintenant dans les foyers comme des amis qui cohabitent.
Les seules fois que vous allez aller ensemble et avoir des relations intimes, c'est lorsque vous êtes resté longtemps à vous bouder pendant longtemps et qu'à un moment donné, vous êtes serré et vous ne savez pas comment vous allez faire. Là, vous allez vous attraper pour vous rendre service. Et quand vous allez finir de vous rendre service, après que le service soit rendu, c'est-à-dire que chacun va se satisfaire, là, vous recommencez à devenir comme encore des colocataires. Le manque de sagesse, ça détruit tellement de vies. Oui. Il y a des hommes aussi, ce sont eux qui ont fait que les femmes sont devenues méchantes. Il y a des femmes aussi qui ont fait que les hommes sont devenus méchants. Mais peu importe ce qu'il en est, ce que je vous dis, c'est ce que les enfants de Dieu vivent. Or, tant que nous n'aurons pas de bonnes relations dans nos foyers, nous ne serons pas aussi de bons chrétiens. Je vous garantis. Tout commence par la maison. Parce que en tant que chrétien, tu ne peux pas être dans un foyer qui est renversé. Si tu n'es pas à l'aise à la maison, si tu n'es pas heureuse, si tu as un vide en toi, si tu as ton cœur qui saigne, ma soeur, tu ne pourras pas prier. Je te le dis. Tu ne pourras même pas ouvrir la bouche même pour faire ton combat spirituel. Ça ne marchera pas. Tu vas aller à l'église même en entendant prêcher là, ton cœur saigne. C'est garanti. Il n'y a pas quelque chose qui tient l'homme si ce n'est sa vie émotionnelle et sentimentale. À partir du moment où ce côté-là, ça ne va pas du tout. Tu vas prier même là, ta prière ne monte pas. Tu vas jeûner même, ça ne marchera pas. Tout dépend de ta joie et de ton cœur, de tes émotions et de tes pensées. Maintenant, regarde, l'homme de ta vie ou bien la personne avec qui tu vis, tout semble sens dessus, dessous et haut. Tu vas aller où avec ça? Tu vas louer quel Dieu avec ça? Il n'y a pas de joie dans ton cœur. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas d'assurance. Et tu es en train de te poser la question si tu n'as pas marié le faux homme. Et puis bon, regarde comment il te maltraite. Parfois même, tu t'es marié avec un homme qui ne te touche pas pendant 3 ans, 3 mois, 2 ans, 3 mois et autres. Tu es là, tu as des besoins, mais l'homme est incapable et il devient comme un homme égoïste qui va dehors. Toi, tu dis, tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas faire certaines choses. Et l'homme, il te punit et ça fait des années. Tu es là, tu es même obligé de te masturber pour te satisfaire parce qu'il ne fait pas. Et à un moment donné, tu te dis, mais Seigneur, je vais divorcer. C'est la vérité. À un moment donné, tu vas dire, Seigneur, je vais divorcer. Parce que l'homme, il ne fait pas ce qu'il fait. Il ne fait pas sa part. Ce côté seulement, là, ma soeur, je te garantis, même si tu es chrétienne, là, tu vas vouloir divorcer. Parce que ça, là, c'est un problème où tu dis, Seigneur, ça, là, je sais, mais je refuse. Mais pourquoi les gens vont jusqu'à arriver à ce point? Si tu veux, ne mets pas amen. Je vais parler quand même. Le manque de discernement. Le manque de discernement. Le manque de discernement fait qu'on se retrouve où il ne faut pas. Le manque de discernement fait qu'on se retourne avec qui il ne faut pas. Le manque de discernement fait qu'on se donne à qui il ne faut pas. Le manque de discernement fait qu'on s'attache à qui il ne faut pas. Le manque de discernement fait qu'on se retrouve où il ne faut pas. Le manque de discernement fait qu'on désobéit à Dieu. On est plus pressé que Dieu. Et finalement, on fait quoi? On se retrouve à se poser des questions dont, même si nous finissons par avoir la réponse, cela ne sert à rien. Oui. Donc, on se retrouve à se poser des questions dont, même si nous avons la réponse. Imaginez un homme qui a passé des années au mauvais endroit pendant des années. Il va venir poser la question à Dieu, oui, Seigneur, quel est ton plan pour moi? À 90 ans, à 65 ans, si le Seigneur te dit non, j'avais prévu ça pour toi il y a 20 ans, tu vas faire quoi? Tu vas aller en arrière? Tu vas aller rattraper les 20 ans perdus? Imaginez une femme qui n'a pas eu le discernement, mais elle s'est donnée à un homme qu'il ne faut pas. Et aujourd'hui, il t'a donné 7 enfants. Ou aujourd'hui, ça fait des années qu'il te prend dans sa maison, ou des années qu'il profite de ton corps, à telle allure que tu n'es plus cette jeune fille que tu étais. Et là, maintenant, le Seigneur va te révéler que oui, tu avais telle personne, mais bon, ben, sans discernement, tu t'es mis avec tel. Même si le Seigneur te le disait aujourd'hui, ça va changer quoi?
ça va changer quoi? Même si le Seigneur te disait, ton mari, est-ce que tu crois que même ton mari, même si tu n'étais pas marié à lui là, tu crois qu'il est seul? Il se peut même qu'il soit là-bas avec une femme. Il se peut même qu'il ait même des enfants là-bas avec une autre personne. Il se peut même qu'il se retrouve même dans un autre pays. Donc même si aujourd'hui là, ton mari là, Dieu te disait qu'il s'appelle X, Y et Z, ça va changer quoi? Sauf par le concours de l'intervention divine. Et là encore là, tu sais que tu dois vraiment, vraiment beaucoup prier. Parce que si au moins ce n'est pas ta faute, le Seigneur peut corriger ton choix. Si au moins ce n'est pas ta faute, le Seigneur peut rectifier ton tir. Mais quand Dieu voit que toi-même tu es dedans et que toi-même tu n'es pas innocent là, ça va changer quoi? Ce que je vous dis, c'est la vérité. Notre problème avec le Seigneur, c'est le manque de discernement. Beaucoup de gens n'ont pas eu de bons conseillers au départ de leur vie. Beaucoup de femmes n'ont pas eu de bons conseillers au départ de leur vie. Moi-même qui vous parle là, je ne suis pas quelqu'un qui veut dire non, j'ai eu un parcours sans erreur. Non, je ne peux jamais vous prétendre que moi et logique ici, j'ai eu un parcours sans erreur. Mais la raison pour laquelle j'ai eu un parcours aussi difficile, c'est que je n'avais pas eu la chance d'avoir des gens qui vont m'enseigner des choses. Par la grâce de Dieu, j'ai appris à prier. J'ai écouté et j'ai entendu. Mais au moment où je constatais certaines choses, je me suis rendu compte que j'ai vécu dans l'ignorance pendant des années. Parce que j'étais comme aveuglé. Et aujourd'hui, quand je fais une rétrospection, c'est-à-dire que je fais marche arrière, et puis je regarde la vie que j'ai menée, je peux même dire que j'ai mené la vie comme quelqu'un dont le sens était ailleurs. C'est ce que je faisais, ce dans quoi je vivais. Qu'est-ce qui m'a motivé à vivre dedans? Non, j'y étais parce qu'il fallait être. C'est la vérité. Parfois même j'y étais parce qu'il fallait être. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller là-bas? Rien. Pourquoi j'y étais? Je ne sais pas. La mode? Je ne sais pas. Parce que mes amis aussi étaient dans des choses? Je ne sais pas. Mais, heureusement, à un moment donné, j'ai fait une prière. C'est cette prière qui a tout déterminé. J'ai dit à Dieu, je veux accomplir ma destinée. Je ne savais pas que ma destinée n'était pas ce que je croyais être ma destinée. Mais ce que le diable fait, c'est qu'il voile ton intelligence. À telle enceinte que tu es même dans quelque chose qui n'est pas pour toi et tu ne sais même pas que tu es ailleurs. C'est comme si ton cerveau était inexistant. Ça dit que le discernement n'y est pas, l'intelligence n'y est pas, rien. Tu vis dans quelque chose, tu es même ailleurs, mais ton corps est là, ton esprit, tu ne sais pas. Et ma chance, c'est que j'ai ordonné la manifestation de ma vraie destinée. C'est à partir de là que tout a été bouleversé. Frère, si je n'avais pas eu la chance, sœur, si je n'avais pas eu le discernement pour faire cette prière, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai dit à Dieu, j'ordonne que ma vraie destinée se manifeste. Mon monde s'est écroulé. Il fallait que ce monde s'écroule. Parce que ce monde n'était pas le mien. Il était un monde préfabriqué par le monde des ténèbres. Je ne sais pas si tu fais partie de ces femmes qui sont dans une vie préfabriquée par le monde des ténèbres. Je ne sais pas si tu fais partie de ces hommes qui sont dans un choix préfabriqué. Ma prière pour toi, c'est que tout ce que la sorcellerie a bâti dans ta vie et qui représente ta vie aujourd'hui s'écroule et que ta vraie vie se manifeste. Frère, ma prière pour toi, c'est que tout ce qui représente ta vie, mais en réalité qui n'a rien à voir avec le plan divin, se croule. Frère, si je n'avais pas demandé à Dieu de démolir tout ce qui ne vient pas de lui, si je n'avais pas fait des prières violentes pendant des heures, des nuits, des temps, des jours, je vous garantis que je ne serais pas là. Les fondations étaient vraiment solides. Si solide que je peux même vous parier que
Je ne me suis même pas douté un seul instant que moi, Eloge, en dehors de cette vie que je menais dans le passé, il y avait une autre vie. Frère, dis sœur, je peux vous le dire. Ça dit que j'étais même prêt à mettre ma main à couper. Que cette vie que je menais dans le passé là, il n'y avait pas une autre vie à part ça. Voici pourquoi je m'y étais accroché. Parce que je ne voyais pas au-delà de cette vie. Je ne voyais pas. Non? Mais lorsqu'on parvient à discerner que au-delà de ce qu'on peut croire être notre vie, il y a une autre réalité. C'est à partir de ce moment que tout devient possible. Tout ne devient pas possible parce que tu cherches. Tout ne devient pas possible parce que tu demandes. Je vous garantis. Tout ne devient pas possible parce que vous priez. Non, jamais. Détrompez-vous. Voici pourquoi on vous donne des prophéties, ça ne s'accomplit pas. Voici pourquoi on vous annonce des choses, ça ne s'accomplit pas. Si en dehors de ces prophéties qu'on vous donne, on vous donnait la substance qui s'appelle la vision, c'est fini. C'est la vérité. La vision, il faut parvenir à visionner ta nouvelle vie. Il faut parvenir à discerner ta nouvelle vie. Frère, ce n'est pas parce que tu demandes que tu vas recevoir. La Bible déclare que tout ce que vous demandez, si vous pensez que vous avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, il faut d'abord parvenir à voir clairement ta nouvelle vie avant qu'elle ne se manifeste. Voici pourquoi vous avez fait tant d'années à l'église. À demander des choses que vous n'arrivez même pas à voir. À demander des choses dont même parfois, même après la prière, vous doutez. Voici pourquoi vous priez le matin, le soir, vous appelez un pasteur pour lui expliquer les mêmes problèmes. Si je me trompe, dites-moi. Voici pourquoi parfois vous êtes en train de prier et puis vous vous demandez même si Dieu même il vous entend. Dieu même qui a créé vos oreilles là. Lui-même qui a créé vos oreilles, qui a créé vos bouches là. Vous priez et puis vous demandez si lui vous entend. Toi-même là, quand tu parles, tu t'entends. Et puis Dieu là, tu te demandes s'il t'entend. C'est la vérité, les chrétiens de Benin sont trop terribles. Donc, l'une des choses que vous devez avoir, c'est la capacité à voir et à croire en ce que vous voyez. Vous pouvez prétendre que vous serez millionnaire. Vous pouvez prétendre que vous serez serviteur de Dieu. Vous pouvez prétendre que vous serez enfant de Dieu. Vous pouvez prétendre que vous serez marié. Mais si dans votre esprit, cela n'est pas vrai, tout ce que vos bouches vont annoncer n'est que futilité. Le Seigneur n'est pas là pour jouer. Il dit, tout ce que vous demandez, premier élément, tout ce que vous demandez. Et il a bien dit, il dit, si vous croyez que vous l'avez reçu, si vous croyez tout ce que tu demandes, si tu crois que tu l'as reçu, là maintenant, tu le verras s'accomplir. Il faut d'abord discerner. Après avoir discerné, il faut distinguer. Voici pourquoi certains prient pour les mêmes sujets depuis des années. Oh oui, Seigneur, oh Seigneur, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Je te le dis, tu perds ton temps. Tant que ce sont seulement que des paroles que tu lances, mais tu ne crois même pas en ce que tu dis. Tu ne verras jamais s'accomplir. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein? Analysez votre vie, vous allez voir. Vous allez voir que beaucoup de gens prient, mais ils ne croient pas en ce qu'ils demandent. Bien aimé, il y a des choses que j'ai demandé à Dieu. Oh, même quand on me dit non, éloge comme ça, j'ai dit, il a déjà reçu ma demande. Je vais m'inquiéter pourquoi. Il a reçu ma demande. Et puis même quand je demande quelque chose qui est petit et puis je ne l'ai pas eu, j'ai dit non, mais c'est parce que Dieu veut me donner mieux que ça. C'est mon raisonnement. Il veut me donner mieux que ça. Alors je ne m'inquiète pas. C'est tout. J'ai demandé ça, on ne m'a pas donné. Est-ce que c'est une raison pour pleurer? La Bible déclare qu'il nous donne plus que ce que nous espérons. Notre problème, c'est le manque de relation avec Dieu. Et m'inquiéter pourquoi? Si j'ai demandé et puis on m'a refusé, c'est parce que ce n'est pas bon pour moi. C'est tout. Ce n'est pas parce que je demande que je vais recevoir.
Ce n'est pas parce que j'ai cherché que je vais trouver. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suite aucun chagrin. Donc, il ne te donne que quand c'est bon pour toi. Mais vous, vous croyez que parce que vous avez la foi, oh Seigneur, j'ai fait ça. Oh Seigneur, j'ai croisé un homme dans la rue. Oh Seigneur, j'ai vu un homme dans mon travail. Il paraît qu'il n'est pas marié, même s'il n'est pas marié là. Si ce n'est pas pour toi là, tu vas prier pour rien. C'est pour ça, parfois, vous vous sapez pour aller au travail et puis personne ne vous voit. Vous vous sapez parce que vous avez vu quelqu'un là-bas qui ne vous appartient même pas. C'est la vérité. Tu les vois matin pour aller au travail, c'est pour aller faire Miss Côte d'Ivoire. Ah, en train de porter la habit serré. Tout un, c'est là pour aller faire pipi. Elle s'élève pour aller faire pipi. Pour qu'on la remarque. Tu défiles seulement même. À la pause même, tu sais, tu es allé t'asseoir à côté de qui. Tu ne te vois même pas même. Tu fais semblant même de parler au téléphone à la pause. Tu veux qu'on entende ta voix, tu veux qu'on te remarque. Tu perds ton temps. Ah oui, je t'ai découru. Tu perds ton temps. Aïe. Tu perds ton temps. Faut te saper pour aller au travail. Maquille-toi, mets ta peinture sur ton visage, tu vas voir. Peins le visage, mets les crayons dans les cheveux. Mets tout ce que tu veux. Si tu veux même acheter de nouveaux habits. Chaque semaine, porter de nouveaux habits. Si tu veux, faut dire non, monsieur le directeur, il va tomber dans ton pied. Il tombera pas. Je te le dis. Tant que c'est pas pour toi, tu perds le temps. Toi, c'est le directeur, tu vis. C'est pour ça que quand les employés te saluent, tu réponds pas. Continue. Continue. C'est bien. Tu as la foi. Tu es bien audacieuse. Elle vise le directeur. Elle vise le superviseur. Elle n'a pas besoin d'employés. Tu vois les femmes, vraiment, je les connais. Oh, tu les vois comme ça, là. Oh, nom de Dieu. Parfois, c'est pour s'asseoir pour dire, mais tous les garçons qui sont, ce sont des bêtes ou bien ce sont des quoi. C'est quelle entreprise garçon salue, pas femme. Ils vont pas te saluer. Tu les vois comme ça, là, ils sont déjà occupés. Tu perds ton temps. Oh. Les gens, ils croient que oui, ils sont plus malins que Dieu. On dit, donne ta vie à Dieu, tu es en train de faire tes bêtises, là. Alors, mon petit conseil. Non, c'est ça. Arrête de te fatiguer, ma soeur. Dieu a déjà tout prévu. Voilà. Il y a des gens là, ils vont au travail. Tu crois qu'ils sont allés au travail alors qu'ils ont d'autres plans en tête. Travail, hein. Travail. Déjà, quand tu vas le matin au travail, là, tes idées là, vraiment. Pendant que tu es en train de travailler là, ta tête se balance comme ça, se balance. Seigneur, maintenant tu m'as donné le travail, maintenant il reste le mari. Seigneur, tu m'as donné le travail, il reste maintenant le mari. Seigneur, tu m'as donné le travail, il reste maintenant le mari. Seigneur, tu m'as donné le travail. Ah non, vous là, vous êtes vraiment embêtant. Il y a des femmes, ce sont leurs prières. Seigneur, tu m'as donné un travail, maintenant il reste le mari. Seigneur, tu m'as donné un travail, maintenant il reste le mari. C'est leur prière. Je ne sais pas, hein, si je me trompe, dites-moi. C'est leur prière. Qui n'a jamais prié comme ça parmi vous là? Vous fatiguez le Seigneur. Non seulement même il vous a donné le travail, vous n'êtes pas reconnaissant. Pour dire, Seigneur, tu m'as donné le travail, voici au moins ma dîme, il est payé ça tous les mois, toutes les semaines. Tu n'as même pas encore fini de dire merci à Dieu, tu demandes l'autre. Oh. Faut lui dire merci, Seigneur, pour le travail. Merci, Seigneur, pour le travail. Oh, Seigneur, je te loue pour mon travail. Oh, Seigneur, je t'adore pour mon travail. Si Dieu entend ça, il va dire, bon, donne-lui Marie. Mais comme tu es ingrat, tu n'as même pas eu le temps de lui dire merci, tu viens lui dire, Seigneur, tu m'as donné un travail, maintenant il reste le mari. Seigneur, tu m'as donné un travail, il reste le mari. Seigneur, tu ne vois pas que ta fille dort dans le froid. Qui a dit n'est pas au courant? Il est informé de tout même. Il savait même que tu allais dormir dans le froid. Il sait tout d'avance. Dieu sait tout d'avance, c'est vous qui vous fatiguez. Pour lui expliquer. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Lui-même, il sait ce que ton cœur désire. C'est lui qui a créé le cœur. C'est lui qui a créé la tête. Il a tout créé. Même demain, là, il sait ce qui va arriver. C'est toi qui perds ton temps à expliquer Dieu tes problèmes. Il est au courant de tes problèmes. Vraiment, le manque de discernement, ça fatigue. Ça fatigue. En tout cas, le problème, c'est que les chrétiens, même si tu veux les coacher, tu ne peux pas. On ne peut pas coacher les chrétiens. Les chrétiens de maintenant, là, on ne peut pas les coacher. Oh, tu ne peux pas coacher chrétien. Qui peut coacher chrétien? Un individu qui est passé déjà même chez 12 pasteurs, il n'a jamais été délivré. Toi, tu avais dit, je vais faire du coaching. Tu as mouru dans ça. Ce que je vous dis, c'est la vérité. On ne peut pas coacher chrétien. Chrétien, c'est le problème qui le force à changer. Tu vas parler, fatigué. Tu vas même avoir d'agbé. Ça ne va pas marcher. On ne peut pas coacher chrétien. Chrétien, oh,
chrétien, quelqu'un qui n'a même pas peur de son Dieu, les gens qui disent non, on sait qu'on n'est pas marié, mais on va prier. On va prier avant d'avoir les rapports. Bon, toi, tu sais que tu n'es pas marié, mais tu demandes pardon à Dieu avant de... Donc, tu es au courant. Au courant que ce que tu fais là, c'est mauvais. Donc, tu demandes pardon à Dieu pendant que tu fais, ou bien au moment où tu as fait, ou bien après avoir fait. Toi, tu demandes pardon à Dieu. Et puis, bon, tu es au courant que ce n'est pas bon, mais tu dis, bon, demander pardon quand même. Le Seigneur, il comprend. Donc, tu vois, non, que... Il y en a même là, ils quittent chez leur copain en venant et disent, Seigneur, pardon ce que j'ai fait. Toi-même, tu es au courant que ce n'est pas bon. Hein? Toi-même, tu es au courant que ce que tu es allé faire là, ce n'est pas bon. En venant, tu demandes pardon. Et puis, ça me dit, tu vas retourner encore. Bon, tu veux que Dieu, il fasse quoi? Dis-moi, il n'a qu'à faire quoi? Toi-même, tu es au courant. Si tu ne savais pas, on pouvait dire, tu ne sais pas. Tu fais même, tu demandes pardon. Mais tu n'es pas prêt à laisser. Et puis, tu dis, non, Dieu, il comprend. Il comprend quoi? Toi, tu ne comprends pas? Oh. Si je vous dis que il y a des gens là, il y a des gens, ils aiment problème. Matt, c'est la vérité, il y a des chrétiens qui aiment problème. Ça dit que c'est pas pour rien, Dieu même dit laissez-les dans problème. Parce que, et là, quelqu'un qui est né depuis des années, on dit faut changer, il dit il veut pas. Femme, on dit c'est changer, tu dis tu veux pas. Toi, tu as tous les problèmes du monde. Tous les problèmes de ton quartier là, quand on fouille le nom, tout ça chez toi. Quand on dit fibrome, il y a ça chez toi là-bas. Quand on dit mot de ventre, tu as ça. Quand on dit célibat, il y a ça chez toi. Quand on dit problème de mari de nuit, même on n'en parle pas. Mari de nuit, même là, tu as cousin, tu as tonton, tu as grand-père de nuit. Parfois, même ce sont tes parents morts là qui viennent. Tu comprends? Donc, tu as tous les problèmes là-bas. Jésus dit, faut changer. Donne ta vie à Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus, il y a des choses que tu gardes. Moi, je veux savoir, tu veux quoi? Le manque de discernement. Ça dit que le manque de discernement peut faire qu'on continue de se détruire et on cherche la solution. Et on cherche qui est à la base de nos malheurs. Ma sœur, la clé pour ta réussite dans le ministère, la clé pour ta réussite, c'est le discernement. La servante de Dieu qui a le discernement, elle ne se mettra pas à prier pour n'importe qui. Bien aimé, au Ghana, j'étais en train d'évangéliser, puis il y avait une dame là qui vient me voir. Ah oui, mon mari a une affaire qui est bloquée et je veux qu'on prie. Frère, cette femme-là, au Ghana, j'ai vraiment cru que c'était un enfant de Dieu. Je partais même chez elle. Et puis, comme j'aime beaucoup les enfants, je jouais même avec sa fille. Un jour, la dame va venir chez moi. Et puis, on commence à prier. Avant de prier, elle a commencé à me raconter un rêve bizarre. Moi, d'habitude, je comprends les rêves. Je discerne les rêves. Mais quand elle a expliqué le rêve là, j'ai dit, yeah, ça c'est rêve ça. Hein? Il y a des gens qui rêvent des... Il y a des rêves, hein? J'ai dit, bon, ma soeur, on va prier. Moi aussi, Gaou que j'étais là, j'ai dit, on va prier. Fermez les yeux, on va prier. Seigneur Jésus, j'étais plongé dans la prière. Frères et sœurs, Dja, c'était une sorcière. Une sorcière qui a utilisé une stratégie d'approche pour venir découvrir mes stratégies. Et pendant que j'étais en train de combattre Satan, elle était là, elle me regardait. Elle me regardait bouche ouverte comme ça. Elle dit, elle me regardait. Je priais. Et puis à un moment donné, j'entends dans mon esprit, Gaou, là, faut ouvrir tes yeux, tu vas voir. Je vous assure, ce que je vous dis, c'est la vérité. Et puis, j'ai prié. Puis à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que j'ouvre mes yeux. Quand elle fait comme ça, hein? J'ai ouvert mes yeux un coup. Déjà, depuis, j'étais en train de prier, là, la dame ne priait pas. Elle était là, elle me regardait comme ça avec ses yeux. Et puis, dès que nos yeux se sont croisés, elle a fermé ses yeux, elle a commencé à prier. Quelques minutes après, quelque chose me dit, c'est bon. J'ai dit, madame, merci, faut rentrer chez toi. Prier, là, est fini. Elle dit, aïe, on ne prie plus. Elle dit, on ne prie plus, faut partir chez toi. Si, non. Oh. Bien-aimé. Si nous ne faisons pas attention, nous allons tomber dans les pièges. Il y avait une dame qui avait des problèmes. Je suis rentré chez eux là. Tu vois la maison inachevée. Elle dit non, que le papa les a abandonnés. J'ai dit, oh Seigneur, pitié. Donc j'ai dit, je vais leur apporter du secours. Du secours. Dja. La dame est une sorcière. Sa fille est une sorcière.
Alors, de temps en temps, je prenais des sacs de riz, j'allais là-bas. Et puis, un jour, j'ai décidé de prier violemment. Et puis, quand j'ai commencé à décider de prier violemment, la dame ne veut plus me fréquenter. La fille ne veut plus me fréquenter. De temps en temps, je leur ai dit, mais vous venez plus chez moi, je viens chez vous. Tout le monde était devenu bizarre, froid envers moi. J'ai dit, mais attends, madame, il y a un problème. Elle dit, non, tout va bien. Everything is all right. I said, madame, are you okay? Et, oh, my girl, I don't see you anymore. Why don't you come to my place? No. C'est là maintenant qu'il va dire à Dieu, mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi ils ne veulent plus venir chez moi? Depuis, j'ai commencé à faire des prières violentes contre l'esprit de sorcellerie. La même nuit, le Seigneur va ouvrir mes yeux pour voir l'état de leur esprit. Frère, juste à ce que je discerne cela, je ne pouvais même pas comprendre dans quoi je m'étais mis. S'il vous plaît, s'il y a une chose que vous devez demander à Dieu, matin, midi et soir, demandez à l'Éternel le discernement. Dites-lui, Seigneur, donne-moi le discernement en tout lieu et en tout temps. Ouvre mes yeux, que le voile tombe. Je ne veux pas me mettre dans des situations. Et puis 10 ans après, c'est là que j'ai venu me demander, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là alors que ça fait déjà 10 ans que tu es passé à côté de ta chance? Ayez le discernement. Il y a des femmes qui ont tapé 25 ans dans un mariage avant de venir demander à Dieu, qu'est-ce que je fais là? Le monsieur me maltraite, le monsieur se désintéresse, le monsieur me laisse seul à la maison, il se promène. Mais ça fait 25 ans déjà que tu es passé à côté de ton mariage. Et comme Dieu a vu que tu as abandonné son plan, il a mis quelqu'un d'autre à ta place. Aujourd'hui, tu viens lui demander, tu veux qu'il fasse quoi? Dis-moi. Et encore là, si tu avais un bon comportement d'un vrai chrétien, d'une vraie chrétienne qui veut s'attacher à Dieu, aimer Dieu, servir Dieu, afin que le Dieu qui est le restaurateur, celui-là qui change les cas difficiles, celui-là qui touche les situations difficiles, pour qu'il puisse avoir compassion de toi, là encore tu es venu te donner à Dieu là, c'est derrière les pasteurs tu coupes pour expliquer tes problèmes et puis ta vie de prière est nulle, ta vie de lecture biblique nulle, ta relation avec Dieu nulle, tout en toi nul. C'est-à-dire que non seulement tu as fait une sortie de route il y a des années, tu as fait une sortie de route professionnelle, sortie de route conjugale, sortie de route matrimoniale, sortie de route spirituelle, sortie de route. Ça veut dire que tu es déjà sorti de route, de ta route il y a longtemps. Tu as désobéi à ton Dieu, tu as violé les lois divines qui ont été établies pour toi. Et puis maintenant, tu viens te donner à Dieu encore. Tu deviens un chrétien vagabond, un chrétien zozo, un chrétien qui n'aime pas lire sa Bible, qui n'aime pas prier, qui n'aime pas adorer Dieu, qui n'aime pas servir son Dieu. Bon, là, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Le discernement. Le manque de discernement. Oh oui, bien aimé. Le manque de discernement a poussé les femmes à se retrouver au pays de qu'est-ce que je fais là? À se retrouver dans des belles familles bizarres. Où le beau-père, il est bizarre. La belle-mère, bizarre. Le beau-frère, bizarre. La belle-sœur, bizarre. Et tu as un Dieu qui dit, ma fille, peu importe tes erreurs, moi je t'aime. Je peux changer ton histoire. Même s'il y a des problèmes, je peux corriger tes problèmes. Même s'il y a des fautes dans ta vie, je peux les corriger. Mais la condition, fais d'abord de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et puis tu continues encore de courir derrière les prophéties. Au lieu de chercher celui qui donne les prophéties, tu continues encore de faire les consultations. Moi, je ne comprends pas quoi. Excusez-moi d'être un peu impoli ou arrogant s'il le faut. Hein. Les chrétiens de nos jours font partie de cette race de personnes qui ne réfléchissent pas longtemps pour comprendre ce qui se passe dans leur vie. Et puis dans leur tête, là, c'est comme si quelqu'un d'autre a la solution à leur problème. Les chrétiens de nos jours, c'est comme ça.
Comment une femme peut passer sa vie à courir derrière les pasteurs et 5 ans après n'a pas de réponse à ses problèmes, mais elle ne se donne pas à Dieu? Comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler ça? Tu te promènes zogo, tous les jours tu es au téléphone en train d'expliquer tes problèmes aux gens. Dieu même là, tu ne lui parles pas, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne ranges pas ta vie. Et 20 ans après, la même chose, tu es bloqué, tu es en retard, tu souffres, tu galères, tu es traité n'importe comment. Et puis 20 ans après, on te parle, on dit mais c'est parce que tu n'as pas Dieu. C'est parce que tu ne pries pas, c'est parce que tu ne ranges pas ta vie, c'est parce que tu ne veux pas te concentrer. Et puis encore, excusez-moi du thème, 20 ans après, ta galère, ta misère et autres, excusez-moi du thème, tu as expliqué tes problèmes aux gens, ça n'a jamais changé. On t'a fait bâtir les hôtels, on t'a fait bâtir les alliances, on t'a fait établir des choses. Toi-même, tu as une vie de prière nulle, nulle, moche. Tu ne pries que quand tu rêves, tu ne prends ta Bible que quand ça ne va pas. Tu ne cherches des livres de prière que parce que tu as un problème, ce n'est pas parce que tu veux une relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu veux une relation avec Dieu. Toutes tes prières tournent autour de Seigneur, mon mariage, mes affaires, mes ceci, mes cela. Mais c'est comme ça que tu t'es comporté, puis tu es passé à côté de ta vie. Tu as cherché les choses du monde d'abord. Si tu avais Dieu, il allait s'assurer que tu ne rates jamais ta destinée. Tu as voulu te marier parce que tes copines sont mariées. Tu croyais que le mariage c'était comme une compétition. Au lieu d'avoir le discernement des choses spirituelles, au lieu de chercher la connaissance des choses spirituelles, au lieu de chercher Dieu, ainsi, quoi que l'ennemi fasse, Dieu s'assurera à ce que tu sois dans son plan. Tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité. Tu es le genre de personne qui aime conseiller, mais toi quand on te donne conseil, tu dis on t'a insulté. Tu es le genre de personne qui aime qu'à la maison, tout soit comme ça, tout soit comme ça. Le genre de femme, carré, carré, carré. Le genre de personne à la maison, carré, strict, autoritaire, dominante. Mais quand tu te donnes un bon conseil, tu dis, on m'a insulté. L'homme de Dieu, logique, si je ne l'aime pas parce qu'il est trop dur. Ah bon, je suis dur. Je suis un enseignant. Je suis un enseignant. Je suis un enseignant. Je ne vais pas venir te caresser. Tu n'es pas ma femme. T'es pas ma copine, t'es pas ma, je ne sais quoi, t'es pas mon enfant pour que je puisse te dorloter. Tu es un enfant de Dieu qui a besoin d'être guidé, conduit à ta destinée. Parce que quand on l'a laissé se faire seul, tu n'as commis que des gaffes. Aucun discernement. Tu vois n'importe quel homme tu couches avec. Tu vois n'importe quelle femme tu couches avec. Et le temps même tu vas arriver à ton mariage, déjà même les gens ont fini à ton corps, fini à ta beauté, fini à tout. Et là encore même on se demande même si tu es arrivé à ton mariage. Ton parcours a été tortué. Ta vie a été catastrophique. Tout ce que tu as fait là-même, des hommes qui ne devraient même pas connaître ton corps ont connu ton corps. Des gens qui ne devraient même pas voir ta nudité ont vu ta nudité. Chacun est venu, il a fait ce qu'il veut. Mais mon frère, chaque fille est venue, elle a fait ce qu'elle veut. Chacun est venu, il a déposé dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit et dans ta vie les démons, les malédictions, les problèmes, les choses, les malédictions, les liens de famille. Parce que tout est resté dans ton corps. Tu as avalé, tu as mangé, tu as bu. Tu as avalé tout, tu as mangé, tu as bu. Lien de famille, démon de famille partout, par la bouche, partout. On pouvait faire passer, ils ont fait passer. Quand tu n'avais pas de conseiller, aujourd'hui, tu vas aller te brosser 100 fois. Avant de dormir. Ça, c'était quand tu n'avais pas de conseiller. Et puis, quelqu'un vient et dit, j'aime la fille, elle est dé. Elle est dé. Elle lui donne les conseils et puis c'est toi qui as bouche pour aller parler des pasteurs et logique ici, pasteur et logique ici. Non, les chrétiens de maintenant ils sont trop bizarres. Donc tout ça là tu as ramassé combien de nationalités? Combien de nationalités? Dieu seul sait. Toi seul tu as encaissé combien de nationalités? Arabe, il y en a. Tous les démons arabes, tu les as. Démons abètes, il y en a. Démons baoulis, il y en a. Démons congolais, tout ça là, ça y en toi. Démons centrafricains, démons blancs. Et puis on te donne conseil, c'est toi qui sais parler gros français. On dirait que tu comprends ce que tu vis là. En tout cas, partout, il n'y a pas eu de frontières. Oh non, les gens sont terribles, hein. La parole de Dieu déclare en Ésaïe 11, verset 3. Il respira la crainte de l'Éternel.
Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Nous ne devons pas juger sur l'apparence. Nous devons avoir le discernement avant de nous engager. Même si tu veux, tu mets oui. Si tu mets amen, je parle. Tu ne mets pas, je parle. Si tu veux, tu partages, je parle. Tu ne partages pas, je parle. Tu partages, je parle. Tu ne partages pas, je parle. Et après, tu es là, tu dis, mais Seigneur, pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi ma vie est difficile? Tu ne sais pas pourquoi ta vie est difficile. Hein? Avec toutes ces bêtises que tu as faites là, à présent encore, tu ne sais pas pourquoi ta vie est difficile. Avec ta façon de vivre là, jusqu'à présent, tu as venu me dire, tu ne sais pas pourquoi ta vie est difficile. Tu mens ou tu fais exprès. Dis-moi, tu es sincère ou bien tu fais exprès? Tu es sûr que tu ne sais pas pourquoi ta vie est difficile? Arrêtons, soyons sérieux quoi, ok? Oh, Lydia, Lydia Sandrine, dis à quelqu'un quand même, hein, soyons sérieux. Arrêtons de nous mentir, ok? Arrêtons de faire exprès. La vie n'est pas facile, faut pas ajouter problème dans problème. Tu es sûr que tu n'es pas au courant de pourquoi ta vie est difficile? Si tu avais eu le discernement, tu allais résister à la tentation. Si tu avais eu le discernement, il y a des dragueurs que tu n'allais pas accepter. Si tu avais eu le discernement, il y a un mode de vie que tu n'allais pas accepter, mon frère. Si tu avais eu le discernement, il y a certaines filles que tu n'allais pas approcher. Parce que c'était pas des humains, c'était des revenantes que, avec qui tu allais te mettre. Toi aussi, il y a des hommes que tu allais prendre le temps de prier avant d'aller avec, ou bien de marcher avec. Parce que, bien aimé, un revenant ne peut pas rester en présence de quelqu'un qui prie. Mais toi, tu t'es jeté la tête d'abord. Pas avec le cœur. Sans réfléchir. Et aujourd'hui, tu te poses la question de savoir pourquoi ma vie est difficile. Tu es sûr que tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi ta vie est difficile. La Bible déclare, un homme souffre-t-il sans que l'Éternel l'ait permis? Tu sais pourquoi tu souffres. Un homme peut-il souffrir? C'est nous-mêmes qui sommes à la base de nos malheurs. Sans discernement. On boit, on fume, on se saoule, on fait n'importe quoi. Comment un homme qui prétend t'aimer, tu n'as jamais connu sa maison où il habite? Excusez-moi du terme, mais il faut être bête pour continuer à coucher avec un tel homme. S'il ne t'amène pas à la maison, c'est qu'il ne te considère pas. C'est qu'il ne te respecte même pas. Ou bien c'est qu'il a quelqu'un là-bas. S'il t'aimait là, tu allais connaître chez lui. Mais cet homme-là, il vient chez toi, il couche avec toi. Il t'amène que dans les hôtels, qui sont des dépotoirs de démons. Parfois même c'est dans sa voiture. Et aujourd'hui, tu vas venir demander à Dieu, pourquoi ma vie est difficile? Méfiez-vous de l'apparence. Elle cache beaucoup de choses. Trop de gens sont sortis de leur route et doivent se repentir pour dire, Seigneur, vraiment, la vie n'est pas facile. Hein? Mais, je reconnais que j'étais à la base de beaucoup de choses. Si tu reconnais ça, c'est là que Dieu commence à travailler. Mais très souvent, on veut faire comme si c'est quelqu'un d'autre qui est à la base. Donnez-moi une minute. Très souvent, on veut faire comme si c'est quelqu'un d'autre qui est à la base de nos malheurs. Amen. Attendez-moi là-bas, j'arrive. Oui, donnez-moi deux minutes. Merci. Très souvent, on veut faire comme si c'est quelqu'un d'autre qui est à la base de nos malheurs. Voici pourquoi Dieu n'intervient pas. Parce que Dieu, il aime quand tu prends ta part de responsabilité pour dire, oui Seigneur, je te demande pardon. Et je veux maintenant que tu me restaures. C'est là que Dieu commence à travailler. Chaque jour de votre vie, demandez à Dieu, donne-moi le discernement pour faire des choix. Pour avancer, pour évoluer, j'ai besoin de discernement. Le discernement vous permettra de comprendre. Le discernement vous permettra de savoir quand il ne faut pas s'engager. Le discernement vous permettra de savoir quand il faut annuler quelque chose, quand il faut s'engager. Demandez à Dieu de vous donner le discernement. Demandez juste à ce que vous receviez.
Ça va vous permettre de corriger les choses. Ça va vous permettre de voir clairement les choses. Ça va vous permettre de comprendre les choses. Ça va vous permettre d'appréhender les choses. Ça va vous permettre de guider vos pas et ça va vous éviter trop de problèmes. Ça va faire que même quand vous êtes en présence de quelqu'un qui n'est pas bien, votre esprit vous dit, ce gars-là, méfiez-vous de lui. Au fond de toi, le discernement te permet de comprendre la réalité. Avec le discernement, ce sont tes yeux spirituels qui sont en action. Tu vois même ce que d'autres ne voient pas. Tu peux même dire à quelqu'un, ah, ce gars-là, je ne sais pas, mais fais attention à lui. Au départ, la personne ne va pas te comprendre. Hein. Ah, ce gars-là, attention, je ne sais pas, mais fais attention à lui. Mais à un moment donné, on vient te dire, eh, il a fait si, 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 si. Et puis la personne est étonnée pour dire, mais c'est vrai, hein, ma copine l'a dit que ce gars-là, je ne le sens pas. Ce gars-là, je ne le sens pas, méfie-toi de lui. Et finalement, elle a eu raison. Comment elle a eu raison? Elle a eu ce qu'on appelle le discernement. Beaucoup d'entre vous, souvent vous étiez dans des affaires, quelqu'un commence à vous dire, non, faites attention, méfiez-vous, faites attention. Mais vous n'avez pas écouté. Parce que vous n'aviez pas vu les choses comme eux, non. Vous n'avez pas vu les choses comme elle. Mais finalement, vous avez eu l'impression qu'ils ont eu raison. Ils ont compris vite. Mais vous, vous aviez compris plus tard. Eux, ils ont discerné. Voici la raison pour laquelle je voulais que vous disiez à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement. Ouvre mes yeux spirituels. Mais pour avoir le discernement, il faut que vous soyez dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Parce que c'est lorsque les distractions tombent, les choses du monde tombent, les tensions du monde tombent, les bruits du monde tombent, lorsque tout ce brouhaha autour de vous cesse et que l'esprit commence à croître dans la parole de Dieu, dans l'amour et dans la louange, c'est là qu'on commence à voir les choses spirituelles. Alors, mettez-vous dans les conditions où le Seigneur sera présent en vous 24 heures sur 24. Il m'est arrivé des moments où j'appelle quelqu'un, je dis, Dieu m'a dit que le 14, on aura ça. Frères et sœurs, je vous le dis, le Seigneur est témoin, je ne peux pas jurer. La Bible dit qu'on ne doit pas jurer. Frère, j'ai donné des dates et puis ça arrive. Parfois, moi, je dis, ah, comment j'ai su que ça allait arriver? Bien-aimé, vous avez vu, non, la pandémie là. Ça fait 5 ans, moi, j'ai écrit dessus. Prenez mon livre Protection Maximale, allez lire. Comment j'ai su que ces choses allaient arriver? Comment j'ai su qu'à un moment donné, les églises allaient être fermées et que plus personne n'allait partir à l'église et qu'on aura besoin seulement de faire les vidéos sur Internet pour prêcher? Quand j'ai commencé, j'ai dit ça, les gens ne me croyaient pas. Allez-y, prendre mon livre, vous allez voir. Protection Maximale, tout est écrit dedans. C'était une prophétie. Allez-y voir. La pandémie qui fait les ravages. Les maladies qui font les ravages, les gens qui meurent, les contaminations du monde. J'ai écrit tout dans mon livre. Il y a 5 ans de cela, le livre est sorti. Le discernement vous permet de voir les choses avant qu'elles arrivent. Le discernement vous permet d'appréhender la réalité. Le discernement te permet de savoir quand ta prière va être exaucée. Le discernement te permet de te préparer à aller dans la bénédiction. Ainsi, n'importe quoi qui vient, tu ne cèdes pas à ça. Frère, je me souviens que lorsque je suis arrivé en Italie, j'ai dit une parole. Le Seigneur me dit, j'ai quelque chose qui m'appartient dans ce pays. Je l'ai dit, j'ai des témoins, plein de témoins. On dit, mais pourquoi il dit ça? Il dit, je ne sais pas. Mais dès que j'ai foulé le pied, j'ai entendu la voix de Dieu dans mon esprit qui dit, j'ai quelque chose dans ce pays. J'ai des témoins, j'ai même des messages. Je suis parti, je suis revenu. L'Esprit de Dieu me dit, tu retournes. J'arrive là, le frère Vecho est en train de me conduire. Et puis j'ai dit, avec toi non. J'ai le pressentiment que j'ai quelque chose qui m'appartient dans ce pays. Je suis revenu de l'Italie. Le Seigneur m'a donné un message. Il me dit, tu dois retourner en Italie. J'ai appelé Isabelle, j'ai dit, Isabelle, moi je ne comprends pas. Je viens à peine d'arriver de l'Italie. Pour la conférence. Mais le Seigneur me dit, tu dois retourner en Italie. Elle m'a dit, je t'ai dit non. Frères et sœurs, c'est en Italie que je me suis marié. J'ai discerné cela. En tout cas, moi, je vous ai rendu mon témoignage et je vous ai enseigné. S'il vous plaît, vous avez besoin de direction divine. Mais créez cela. Sortez des histoires, sortez des bêtises, sortez des bruits. J'ai fini. J'espère que ce message vous a fait du bien. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier et logique ici. Toute ma vie est prophétique. Il y a des choses que je vis. Ce n'est pas par hasard. Et j'ai des témoignages et j'ai des preuves. Que le Seigneur vous aide à discerner tout,
afin que vous ne soyez pas en dehors de son plan pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.